Savez-vous qu'il y a près de 400 secrétaires médicales au CHU de Rouen? Je vous propose de rencontrer l'une d'elles, ou plutôt l'un d'eux, en chirurgie thoracique et vasculaire. C'est parti! Bonjour Sébastien! Bonjour Mathilde! Ça va? Ça va et toi? Oui. Alors comme je te le disais, on est allé faire un petit micro-trottoir en centre-ville de Rouen. On a demandé aux gens ce qu'ils pensaient du métier de secrétaire médical, à savoir si pour eux c'était un métier de femme, d'homme ou les deux. Et est-ce que tu veux voir leur réponse? Oui, bien sûr. Ouais. Secrétaire. Femme. Femme. Homme-femme. Les deux. Femme et homme. C'est homme et femme. Ah oui, oui. Pour moi c'est un métier de femme. Voilà, alors qu'est-ce que t'en penses? Écoutez, je suis assez surpris par certaines réactions, parce que c'est vrai que globalement, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de stéréotypes que ça. Au final, les gens sont plutôt d'accord pour dire que ce sont des métiers qui correspondent autant à l'un qu'à l'autre. Dans ton environnement professionnel, que ce soit avec les médecins avec qui tu travailles, comme peut-être aussi d'autres personnes, ça pose pas de soucis particuliers? Non, ça n'a jamais posé de problème. J'ai toujours été bien accueilli, que ce soit par les médecins, les collègues aussi du secrétariat, le personnel dans son ensemble. Il n'y a jamais eu de frein ou de problème avec eux, ou dans mon travail. Enfin, en tout cas, je ne crois pas. Et est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous raconter? Oui, alors, des anecdotes très, très courantes, c'est les patients qui appellent et qui ont toujours un petit mouvement de recul, une petite interrogation, de savoir s'ils sont bien au secrétariat quand ils entendent une voix d'homme. J'ai aussi eu le cas de plusieurs patients qui, tout au long de la conversation, m'appelaient madame au lieu de monsieur. Je pense qu'ils sont tellement habitués que... Mais sinon, non, globalement, j'ai toujours eu des bons contacts. C'est plutôt des anecdotes drôles, en général. Ouais, ça égaye le quotidien, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Bon, bah, super, merci. Salut Mathias. Est-ce que tu pourrais me prendre un rendez-vous de consulte lundi pour ce patient, s'il te plaît? Oui, pas de problème. C'est votre secrétaire? Oui. Et ça pose pas de soucis d'avoir un secrétaire? Hop, il tape pas moins vite à l'ordinateur Non, pour moi, ça change rien du tout. Donc, bon. Il travaille bien, donc. Voilà. Super, merci, au revoir. Bon, il a l'air content de vous. Bon, voilà.